Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vous savez combien de maps on va faire? On va en faire 6. Voilà, parce que voilà, j'ai le goût de changer un petit peu parfois là. Hier, je sais, j'étais très fatigué là. On en a survécu à 0. Voilà. Mais ça, désolé. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on joue. Voilà. Donc là, on va jouer à Hotel Stories, Alien Story. Beaucoup de story. Comment ça quoi? Alors, Alien Story, allez go! J'y vais. Voilà. Donc ici c'est Alien. Moi je vais faire Alien Story. Donc demain on va sûrement faire peut-être. Aujourd'hui, soit demain, parce que là, j'ai rien rajouté d'autre, mais je sais qu'on va en faire d'autres. Je vais en rajouter. Ça va prendre du temps. Désolé, ça va prendre du temps. Trouble. Mais bon, restez dans la vidéo ou juste pour. Cette story, c'est la meilleure story, je trouve, qui se passe dans un hôtel. Non, attends, non, c'est hôtel, je sais pas, mon préféré, non, c'est la meilleure story qui se passe dans la zone 51. Bah oui, ça se passe dans la zone 51, vous savez pas ça? C'est pas vraiment que c'est le téléphone. Vous avez entendu? L'agent Jones qui nous a appelé pour qu'on aille à la zone 51, ça avec lui le pilon. Ça me fait du bien de se dire qu'il y a beaucoup de monde qui joue à ce jeu là, parce que ça c'est quand même un très très bon jeu quoi. Prenons les escaliers plutôt, je suppose. C'est ça qu'elle a dit, je pense. Ben j'ai pas très bien vu là. Allez, venez, là, on a pas le temps. Tu viens? Ok. Là, on est, j'ai essayé de tomber, là. Ça s'est très mal passé pour moi. Vous avez vu qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un qui est sorti. On avait vu la ligne, elle a. Voilà. Parce que. Quelqu'un qui a fait. Non, je vais pas le faire. Putain, c'est moi ou le sang il est comme en haut? Non, je pense qu'il est vraiment en haut le sang. Et le sang il est en haut. Mais pourquoi tout le monde se suicide d'un coup? Donc là on voit avec l'agent Jones. Donc là le point de rencontre c'est là-bas. On me souvient très bien du jeu. On dirait que ça fait un dessin. Et ça c'est l'auto du agent Jones. Je suis l'escorte que tu as appelé. Appelez-moi agent Jonas. Oh. Jonas et Jones et Jonas, c'est la même affaire. On a des
voyant les extraterrestres. Je sais pas de quel sens vous voulez le dire, mais bon. On a des extraterrestres à découvrir. Oh, ça a sorti de ta... C'est comme le chat, là. Et désolé de te dire, mon vieux, mais ça, c'est un... qui peut-être nous amène à la zone 51, je pense. Ok, ouais, ça. Nous sommes arrivés. Donc là, on est au milieu du Nevada. C'est ça, donc on est au milieu du Nevada. Parce que le Nevada, ben la zone 51, c'est au Nevada. Voilà quoi. Un petit truc de géographie, voilà. Ah! Là, c'est gardé. Ah oui, je me souviens, là. Assembler des rochers et amener les... Ah oui, c'est vrai. Oh, et puis, il faut descendre pour que je rencontre. Ah, oh, je sais pas. Trouver des rochers. Okay. Je sais plus, est-ce que c'était des grands? Je sais plus. Ça fait pas... Oh! Il y en a plein là-bas, en tout cas, là. Yo! Qu'est-ce qui s'est passé? Acheter une life. Non, ça, c'est désolé, mais ça va partir. On est là, bordel! Puis l'autre, elle attend, là. Elle attend après nous, ça. On est déjà que trois. Non, mais ça... Bon allez mec, c'est toi qui va mettre le dernier. Eh, je me suis même pas rendu compte qu'il y en avait un juste ici. Soyez prudents les gars. Ils ont des gardes de sécurité et des caméras dans tout le monde. Et je comprends pas comment... Quand je parle, moi j'ai genre on me voit même pas, mais genre on me voit à moitié. C'est ça là, c'est comme sécurisé en des aveugles là, dans une zone. Ok, je me souviens de leur point. On va essayer. C'est bon, on est bon pour le moment. On est très bon. Elle est blessée par contre. Mais il me blesse, nous. Mais moi, il m'a pas blessé, hein. Moi, je vois pas que je suis blessé. Ok, va. Bon. Je pense que c'est pas mal ça, là. Les gars de travail sympa. Les gars du travail... Je sais plus, qu'est-ce que c'est. Je te rejoindrai à l'intérieur chaussée soigneusement une seule de ces entrées. Si tout le monde va là, je vais aller dans celle-là. Là. Oh, ça c'est trop dur. Avec qui je vais aller. Attendez-moi! Et le choix là. Le choix. C'est pour ça qu'il faut jamais hésiter. Là. Faut jamais hésiter, hein. Il faut jamais hésiter. Ah, voilà. Il faut jamais hésiter. C'est une morale de vie, là. Voilà quoi. Bon. On va jouer au prochain. Donc celui-là. Go. Donc là, ça, celui-là, il est beaucoup plus dur. Lui, il est vraiment plus dur. Mais c'est pas grave, on va essayer de le faire.
Mais si on survit pas à aucun d'eux, tu sais, vous. Non, attends. Ouais, on va en faire 6. Même si on meurt, tout ça, on va en faire 6. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on joue. Mais là, plus qu'on avance, plus parce que là, on est en ordre. Je vous fais l'ordre de la chronologie, là. Plus qu'on avance, plus qu'on. Il y a plus de monde parce que voilà, parce que ça c'est un jeu, c'est ça commence à être des jeux plus connus, même si Hotel Stories en ce moment il y a comme 100 visites par jour, voilà quoi. Ça, mais alors que non, pas cassé de même, bon, ok, c'est pas grave. Donc là on est minuit, donc j'imagine on est encore au Nevada vu que l'autre c'est dans la zone 51. Bon, ici. Ah oui, celui-là, je me souviens bien, là, en plus avec le téléphone. Où sommes-nous? Que s'est-il passé hier soir? On s'est fait retirer des organes dans la chambre à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on devrait regarder autour. Ben, il y a un téléphone ici, là. Chercher dans la pièce des indices sur ce qui s'est passé. Je suis toute seule, très bien. Ah, ok. J'ai vu quelque chose hier soir dans le couloir. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était certainement pas. Attends, tu as entendu ça? Excusez-moi, monsieur. L'hôtel a procédé à une évacuation d'urgence. Je sais pas pourquoi je voulais faire française, mais bon. Alors, ouvrons-nous la porte. Quelqu'un à la porte. Ok, c'est vrai, c'est Monsieur Smith. Lui qu'on a vu qui passait là. Bonjour, je suis le bellhop de l'hôtel. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Smith. Moi, je vais t'appeler Monsieur Smith parce que j'ai écrit là. Je serai votre escorte. Nous devons partir tout de suite. Tu as entendu le cri tout de suite? Hurler, ah, vous avez, lisez vous-même, là. C'est juste que, voyons, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Bon, c'est comme d'habitude, il y a toujours des affaires qui volent. Mais lui, il trouve ça normal. Bon. On va attaquer à toutes les portes. Toquer déjà cette porte. Vérifier les chambres pour tous les signes. Oh, c'était là qu'elle est morte. On dirait pas mal que quelqu'un l'a tué. Et il y a un gun ici, un Colt. Alors, en fait, je sais pas ce qu'est le gun. Un 1911 peut-être. Oh, une note. Et il y a ça déjà là, mais aussi il y a une note. Ouais. Quel malheureux. S'il y a une note, c'est-à-dire que c'est pas un suicide, ça veut dire que c'est un merde. Tu fous, tu le prends le gun? Ce pistolet, ça pourrait être utile à ramasser. Mais t'es fou! Smith, t'es fou! Je me souviens plus du tout qu'est-ce qui se passe dans la story. Je considère que cette story, je n'ai jamais joué. Parce que, j'ai pas de... J'ai... Dans mes souvenirs, j'ai pas de souvenirs dans le jeu. Aidez-moi. Bon, ok. Allô? Est-ce que quelqu'un est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je vais rajouter un autre de mes jeux, là.
Je pense qu'on va. Écoutez-moi, je pense qu'on va peut-être jouer à. C'est pas vraiment une. Ben, c'est. C'est pas vraiment une story. C'est plus comme une histoire. Alors, celle-là, je considère que je l'ai fait. Donc voilà quoi. Donc, moi je considère que je l'ai fait parce que je me souviens très bien ce qui se passe. Quoi, Donc, je le considère que je l'ai fait. Je vais juste mettre le truc description, tout ça là. Ok. Voilà quoi. Et je vous rappelle que le jeu s'appelle. Ben, le jeu s'appelle en fait Bloody Mary. Donc, c'est ça. Alors, l'histoire, elle est malade. C'est la meilleure histoire. C'est la meilleure histoire d'horreur, mais pas en story, genre comme. Comme escape game en fait. C'est comme un escape game mais horreur comme genre qui se passe pour de vrai. Donc là t'es comme dans t'es mis au challenge de faire Bloody Mary par un de tes amis sauf que ça va mal tourner. Chat. Ok alors là you bon ok là nous on va aller faire le challenge de on va aller faire le challenge. Bon cliquez sur le bouton de non lui c'est genre notre Donc alors, lui c'est notre coloc et ben lui en fait il met au défi de faire ça. Ok, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bon, frère, t'es où? Attendez, écoute, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et lui c'est pas notre coloc Bob. Hein. Je sais pas, je vais inventer un petit nom. C'est ça. Là on est. Là, on est dans une cour. Et vous voyez bien que on est barré par un monstre. Voilà. Et si et cette personne, c'est une personne qui est aussi enfermée là pour pendant parce qu'il est là depuis des années. Mais inquiétez-vous pas, je connais le jeu là. On va s'enfermer. Alors, ici, il y a une autre personne qui est morte. C'est pas notre coloc. Là, on monte. Inquiétez-vous pas, cette là on va survivre, même si on meurt. Faut que ça. Attends. Ok, alors. J'ai plus le. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, did you say Bloody Mary? Ok, bon, je sais pas quoi. Ok, alors. Ok. Oh, ça, je me souviens, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire. Voilà. Donc là, vous voyez l'écran. Pas. En plus, moi, je joue au volume à fond, genre maximum. Il est pas maximum, genre 80, 70, là, même. Voilà, il faut pas tomber parce que vous savez qu'est-ce qui va se passer si tu tombes. Donc le jeu, il est pas de très très bonne qualité, mais en vrai, ça va. Ça fait le job. Vous voyez la porte ici? Attendez-vous au pire, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a en fait derrière, mais attendez-vous au pire. Ok. Et si je pense que c'est là que tu dois aller? Non, c'est pas dans cette porte. C'est laquelle? Bon, là t'es en ville, je fais un petit résumé. C'est pas notre coloc encore, hein. Tu crois que c'est notre coloc? Ok, bon alors, c'est ici. Oh! C'est grâce à lui! Ok, bon. Peut-être. Ok. Ok, bon, alors là, moi je paye pas hein, ce jumpscare là. Hein? Qu'est-ce que tu vois? Et là, l'histoire elle se répète en boucle, quoi? Si t'avais pas compris là. Oh non, non, elle se répète pas en boucle. Ok. You ok? Oui, non, quoi? T'as dormi 2 jours sur le sofa? Vraiment?
I could wake you up. Ok. Alors, cette quête peut prouver Bloody Mary. Bloody Mary, that's childish game. Donc, ça n'a pas vraiment. Mais, yo, mes phrases ils se finissent pas. Oh, ouais, ça quoi. Bon. Alors, ciao en fait, toi. Genre, ciao. Donc, c'est ça. C'était l'histoire de Bloody Mary. Bloody Mary. Inquiétez-vous pas, ça c'est un jeu pour enfants. Hein. C'est une légende urbaine, ça existe pas en fait. C'est ça, c'est faux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est faux. Il est là. Voilà. Okay, donc ça, c'est juste un jeu faux, juste pour faire peur en fait. Puis c'est ça quoi. C'est ça. Donc c'est juste un jeu pour enfants pour faire peur, ça n'existe pas. Mais ça serait genre le fantôme de, je sais pas, une princesse d'Angleterre que son bébé serait kidnappé. Et si tu dis que quand elle arrive, dans la vraie version, tu serais supposé dire j'ai ton bébé et elle tuerait. Et si elle dit je viens de sauver ton bébé, elle va t'épargner. Voilà. Alors, direction le prochain jeu, je sais même pas c'est quoi. Voilà quoi, parce que c'est pas moi qui décide quoi. Alors, on va jouer à. Ok. Alors. J'ouvre une nouvelle page, donc vous pouvez pas le voir, je pense, en ce moment. Voilà. Alors. Ok. Timeline of story. Voilà. Attendez, écoutez ça. Vous entendez? Est-ce que vous allez entendre? Voilà, vous avez bien entendu. Alors. Donc, le prochain jeu, si vous n'avez pas compris, ça va être... Donc, ça, c'est pas vraiment une autre... C'est pas une story, mais c'est bien comme un... C'est comme avant Piggy, en fait. Ça s'appelle Bear. Donc, C'est pas comme... Mais c'est comme un mélange de story et Piggy. En même temps, vous savez, Piggy, c'est le plus grand jeu de tous les temps, ça. Non, c'est Rainbow Friends. Non, plus Brookhaven. Mais ça, Bear, c'est la naissance des Piggy. Donc évidemment, on va faire des Piggy, vu que ça vient à sa place là. Mais bon, c'est ça. Alors, allez, on joue à Bear. Bear. Avant, je pensais que c'était E.T. Mais bon, alors, moi, je me souviens plus c'est qui le skin que j'ai de Bear. Bear. Donc c'est ça. Une autre story. Voilà, trop classe, quoi. Bear Alpha. Donc ça fait 3 ans, 3-2 ans que c'est sorti. J'étais quoi, en 3e quand je jouais à ça là. J'étais obsédé à ça. Là on est passé pendant une partie. Inventaire. Alors moi, je vais prendre le truc, je vais prendre équipé. Lui ça va être mon bear. Mais lui il est drôle en même temps. Qui je prends? Soit lui. Prends ça, attends. Non, ça c'est. Ok, bon, on va prendre. Je pense qu'on va prendre celui-là. Voilà. Équipé. Et si je vais en acheter une autre? Voilà. Je pense pas. Là. Si je veux acheter lui par exemple. Il y en a des affaires. Bon, lui, aujourd'hui, on va pas acheter de skin. On n'est pas là juste pour. Pas là juste pour le cash les gars, on est là surtout pour jouer, avoir du fun. Donc là j'ai gagné une cent. Donc on va faire combien de parties? 3 parties et après on va jouer au prochain jeu. Donc lui je pense que c'est l'inventeur. Qui osait regarder la chambre de la méchante sorcière trouverait la réponse. Ça a marché? Ça a pas marché. Voilà. Donc ça, alors, y a plus beaucoup de monde hein, qui joue. Alors que ça c'est la naissance de Piggy et un très très bon campé. Ouais.
j'ai été téléporté dans un autre jeu, les gars. Ouais, et moi, si je veux juste retourner dans Bear. Moi, je suis dans la même partie. Puis si wake up dans son jeu. Tout le monde dans ma classe de cette année capote sur Stranger Things. Dans ma classe, tout le monde parle de Eddie, tout le monde le trouve beau, je sais pas, même il trouve qu'avec Nani est beau, je sais pas. Alors, tu es un survivant. Yes, je suis un survivant. Ne te fais pas tuer par un boss. C'est pas au moins, on va survivre une seule fois. C'est très bien. Alors, voilà, on fait le premier puzzle. On va essayer de faire tous les puzzles possibles. C'est comme Dead by Daylight. Vous connaissez pas ce chef-d'œuvre de ce jeu. C'est pas un chef-d'œuvre en fait. Moi j'ai jamais joué. J'ai pas encore dit j'ai jamais joué, mais oui j'ai déjà joué. Oh, puis voilà, on a. Il est où? Oh, il est là-bas. Quelle porte on va? Il a pas l'air d'avoir grand chose. Oh, rouge, du rouge. Mais je le sens pas moi le rouge. Ok, non, c'est juste un voyant là. T'as compris. Alors, pour de vrai, je sais pas où je suis. Je pense que je suis perdu quoi. Ah. Il est où les gars? Est-ce que vous voyez? Vous avez vu? Mais pourquoi il y a eu de la musique? C'est parce que j'ai failli crever en fait. C'est qui alors? Man, j'ai eu full peur pour rien. Je suis tombé. Ok, y a aucun puzzle qui est fait les gars, il faut qu'on... par un ours. Je sais pas ça veut dire quoi ça. C'est moi où il y a de la musique plus bizarre. Oh, je peux vous faire toutes les couleurs là.
Ça a commencé par... Je sais, blanc. Ça a commencé par le blanc. Bon, là, j'ai l'impression que ça recommence à vous servir à rien. Je le vois, le bear. Oh, il y a un mort. Yo, mais le jeu, c'est trop angoissant. Il dit que c'est une étoile de la galaxie. Je sais pas. Mais là, tout ça, c'est des étoiles. Bon, allez, on va. Je vais tenter ma chance. De toute façon, on a survécu, mais on ne s'est pas enfui. On va rester avec lui tout le temps. Intruder alert. Oh non. Non, pas la dernière seconde. Je peux pas tuer la dernière seconde. Oh, j'ai survécu. Bon, allez, une deuxième partie. Après, je vais une troisième et après, je vais une troisième. Et on va faire un bon jeu. Je veux juste avoir d'autres coins. Je voulais juste en faire mon magasin. Quoi, tu peux acheter des robux. Ah, oh, ok, je sais pas ce que c'est, un robux shop. Là, je pensais peut-être que si on pouvait acheter des robux dans le jeu là. Il est aussi trop petit. Regardez-le. Donc, je sais pas c'est qui le vrai créateur. Ah, oh, lui. Mais pour le vrai, ce mec, c'est un beau gosse. Il a créé genre la naissance de camping et un très très bon camping, quoi. Une très bonne story. Bon, qui se voit là, tu lances, mais il a créé une très bonne story plus une. Ben voilà, t'as compris. Bon, voilà. Bon, je sais pas, je vais y aller pas stratégiquement. Ok. Bon, je vais essayer de pas la garder, je vais pas faire mon campeur. Mais je veux bien scruser les portes. Oh, il y a deux portes. J'essaie d'écouter là. Je sais pas, on dirait que ça vient des deux sens. Je pense plus que ça vient de là-bas. C'est peut-être mes portes. Genre, je suis coincé ici. Non, il doit avoir une sortie là-bas. Oh, ok, c'est en haut que on attendait tout ça. Touche. Il y a l'air à être AFK. Désolé, mec. Non, on va voir ça. Les anciens Robux, vous connaissez bien votre Roblox. Merci. Je peux pas les prendre. Attends, peut-être, je peux cliquer sur eux. Non, je. Bon, 5 sur 2. Ah, bah, eh, bah, peut-être qu'il y en a qui vont quitter. Oh, un puzzle résolu. Je sais pas si c'est pas le mien. Oh, j'ai pas tué en fait. Mais bon. Très, très bien. Je pensais pas un jour dire très, très bien que quelqu'un. Mais non, mais il faut que je gagne. Bon, je vais essayer de tuer le plus de personnes que je peux. Pas grave si je perds là, mais au moins le plus important c'est que je tue du monde. Non, mais sérieux, c'est quoi cette phrase de tueur? Genre, je peux pas me cacher à quelque part puis après sauter dessus. Mais parce que, genre, il y a du rouge tout à côté de moi. Thank you.
du fromage. J'ai l'impression que c'est la même map que tantôt. Bon, seulement un puzzle. Je vois personne. Bon, ok, je pense qu'on va laisser faire, on va pas les avoir. Mais aussi, je pense pas qu'ils vont survivre. Ben, ils vont survivre, c'est sûr. Mais. Non, ils sont plus rapides, c'est sûr. Mais si, ils font que. T'as, avec qui je vais. Oh non, ça va faire perdre du temps. Je l'ai presque eu, hein. Deux puzzles. Oh, je pense pas qu'on peut passer. Je pense pas que les bears peuvent passer. Oh, c'est pas grave, ils vont survivre, mais ils sont pas sortis. Je pense que t'as plus d'argent quand tu t'en sors vivant. Tu penses que tu vas survivre, hein? Non! J'ai survécu! Bon, au moins, je sais que j'étais le plus nul des bears. Je mérite pas d'avoir cette récompense. Mais au moins, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que j'ai tué du monde. Non, mais sérieux, c'est quoi cette phrase de tueur? Bon, il y a presque rien que je peux acheter, hein, les gars. Ouf de club. Crab. Encore! Vous savez pourquoi Rudolf il a un nez rouge? Parce qu'il boit trop d'alcool. Oh, on est deux cette fois. Oh, on est plusieurs en fait. Oh, il y a eu un seul survivant. Il est où pas là, on va le déglinguer. Hein. C'est un crâne folle ici, je sais pas quel chien.
Si je serais un parrain. Jeu, voilà quoi. On va jouer à Boot Camp. Le premier jeu que ça se passe dans l'armée. Un camping qui se passe dans l'armée. Quoi? Donc c'est le quatrième jeu, c'est comme je l'ai dit. Boot Camp, ça s'appelle. Voilà. Le lien du jeu. Je sais pas. Voilà. Bon, ok, j'ai trouvé le jeu. Voilà. On va jouer à Bootcamp. Voilà. Bootcamp qui se passe dans l'armée, en fait. C'est comme un jeu que ça se passe dans l'armée, en fait. Il y a combien de personnes qui jouent? Il y a personne qui joue. Et il y a juste 1 million de visites. Bon. Alors, déjà, c'est très bon, comme 1 million de visites. Moi, j'ai fait un jeu avec 30 000 visites. Puis aussi, j'ai fait un jeu sur la guerre du Vietnam. Jouez, s'il vous plaît. Voilà. Il y a juste 7 personnes. 10 visites au total. Donc, alors là, on est comme genre au plein milieu d'une... Donc là, on est au plein milieu d'un entraînement. Donc, on arrive à un entraînement militaire. Puis c'est ça. Et là, après, on doit être téléporté là-bas. Alors, donc ce jeu, déjà, il est trop bien, en fait. C'est le premier jeu que je pense que ça se passe dans un entraînement militaire. Il y a un autre jeu qui s'appelle aussi Bootcamp. Mais cette fois, c'est comme il y a des extraterrestres qui viennent attaquer ton camp. Ça, je vais pas le faire. Peut-être un jour, là, mais celui-là, je vais pas le faire. Alors, on va aller ici. Non. Il faut 4 personnes pour jouer. Il y a juste 3 personnes dans ma famille qui jouent. Ouais, Roblox. Donc, il y a moi, ma tablette. Bon, c'est moi qui joue avec. Et ma soeur. On n'est pas 4. Oh, laisse voir. Bon, on n'aura pas plus joué. Donc là, c'est notre quatrième jeu. On n'a même pas plus joué. Alors, je fais un résumé. On est en pleine guerre. Et surtout en plein entraînement. Puis là, il y a un monstre qui veut t'attaquer. Et là, il faut que tu résous ce mystère. Et qui sera le monstre qui vous attaque depuis le début? Votre général? Un fou? Ou un de vos amis recrues? À découvrir dans une vidéo de First Jumper ou de Overspace ou de Flamingo. Bon! Cette intro était quand même pas... était pas dégueulasse. Ben, ce que je viens de dire. Alors, donc, c'est ça. Truc sur le prochain jeu. Le cinquième jeu. C'est ça. Si on n'arrive pas encore à en jouer, on va faire 8 jeux. Voilà. C'est ça. Voilà, quoi. Alors, on va jouer à un très bon jeu. Ça même je l'avais en tête, c'est la route 66. C'est un autre de mes campings que j'aime de malade. Voilà. Alors, bon, ok. Je vais dire ça tout de suite pour que ça soit pas dit oh non, t'as pas raison. C'est trop bien en fait. Donc, je m'en fous de ta théorie, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Tu pensais vraiment que j'allais t'abandonner aussi facilement? Non, je peux pas. Il faut que je joue à ce jeu-là. C'est trop bien. J'ai pas joué genre de. Yo, c'est sorti quand j'étais genre en 2e-3e année cette affaire-là. Attends, sorti quand là? T'as sorti quand? J'étais pendant les vacances. On en allait en 3e, je pense. Ah, je m'en allais en 3e. Alors,
Donc déjà, je pense que c'est le premier jeu que ça se passe à part l'autre jeu, là, le chose machin, là, le Mummy Mystery, là. Je veux dire, ouais, non, on l'a pas encore fait, l'autre jeu, ouais, c'est Time. On l'a pas encore fait, mais lui, c'est le premier jeu alors que ça se passe dans le désert, en fait. Lui, c'est le premier, la première story qui se passe dans le désert. Story qui se passe dans le désert. On y va. Ok, on peut pas y aller. Il faut, je pense, qu'il y ait de monde. En fait. Mais bon, on arrive au désert. Ouais. Oh, on nous a dit qu'on n'a pas le droit de jouer. Ok, bon, les gars, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va jouer à 8 jeux. Voilà quoi. Donc, on est bien rendu au 5e. Non, là, on va pas jouer. Attendre encore plusieurs fois quoi, on va jouer à d'autres jeux quoi. Donc ça, jouer à tous les vieux campings là que j'ai joué depuis le début là, que je pouvais pas jouer en fait. Donc ça, donc là direction le 6e jeu. Ouais. Alors le 6e jeu, je vais décider. Je retourne dans ma petite timeline. Donc là, pas ma timeline, la timeline d'un autre mec. Alors ok, d'accord. Allez, et j'en rajoute. Ok, vu qu'on avait parlé de time, parce que les autres ça se passait genre un mois après ça. Moi j'ai le goût qu'on joue à d'autres affaires là, comme genre qui est sorti dans le même temps. Donc on va jouer à deux Time Travel Adventure. Ça marche, évidemment. Si les deux marchent pas, ben on va jouer à 10. Voilà. Parce que là, ça va compter pour deux. Parce que là, après, il y aura Wild West. Et ça. Donc sinon, après, parce que là, on fera le 6e et le 7e. Et le 8e, ben, ça sera un autre jeu. Donc c'est ça. Donc voilà quoi. Voilà. Bon, ça, alors, j'espère que ça va marcher, c'est pas? Parce que là, j'espère que ça va marcher. Oh, il y a full de monde! Là, on va aller au désert. Allez, il y a plein de monde en plus. Donc là, c'est bien. Ok, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Mais même pour le désert. Ok, bon. Alors, vous savez quoi? On va jouer à 10 jeux, quoi. Donc, on va dire que c'était le 7e jeu. Bon, alors, ouais, ça marche pas, quoi. Peut-être l'autre, ça marche? Non, l'autre, ça marche pas. Mais, pourquoi? Je suis surpris pour pas dire l'autre mot, là. Bon, alors, peut-être, non, mais là, à un moment donné, il faut que je joue, là, un de ces jeux-là. Oh, c'est 0, je peux y aller, ça, non? C'est-à-dire, je peux y aller? Non, je peux pas y aller. Ah bon, alors je vais vous expliquer l'autre jeu. Donc là, tu voyages avec Tim et Jim, avec tes amis aussi, les joueurs, puis ça. Là après, t'es capturé par des shérifs parce qu'ils pensent que t'as tué un cowboy, qui est le cas. Donc ça, après ça, t'es poursuivi. Et là, après ça, Jim, il se fait tuer. Ça. Après, là, tu dois trouver un artefact pour donner à Dr. Time pour qu'il fasse un autre brevet ou invention. Et c'est ça. Sauf qu'il nous a arnaqué puis il nous capture. Et ça fait 3 ans qu'on attend l'enfant et on l'a jamais. Voilà. Je sais pas pourquoi ça arrive jamais. Mais bon. Alors, on se retrouve dans le 8e jeu. Alors, l'autre jeu, ce sera Bedtime. Voilà. Bedtime, voilà. Là.
Donc Bad Time, qui est aussi un shader. Il y a zéro personne qui joue. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, le créateur du jeu, il s'est inspiré de Sleepover ou Overnight, Oversleep. T'as compris. Sleepover. Mais ce n'est pas du tout. Ça ressemble pas du tout. Là, tu dois aller chez ta grand-mère. Puis là, il y a pas. Je m'en ai l'air Dave. Il y a pas David. Voilà. Alors ça. Mad Snow. Allez, go. On va aller dans ce bus-là. Attends, non, c'est peut-être le même créateur, je pense. Je sais pas, je pense que c'est le même créateur. Donc, pour notre 8e jeu, ça va être un petit peu spécial. Parce que c'est le premier jeu qu'on est chez notre grand-mère. Attendez, laisse-moi réfléchir. Oui, c'est le cas. Donc, c'est le premier jeu que ça se passe chez une grand-mère et qui se passe plein d'affaires bizarres. Ouais. Ben non, pas le premier jeu là. Toutes les campings, toutes les piggies se passent des affaires bizarres, paranormales, tout ça là. Il faut tout le temps qu'il y ait un tueur qui te chasse là. Et après, j'ai une autre idée de jeu. C'est un autre style de piggy. Non, non, je le dis pas tout de suite. Mais c'est un style de piggy. Voilà. Mais c'est aussi une story. Voilà. Ok. 6 à 12 joueurs pour commencer une partie. Très bien. Et si ça continue même, on va être à 12 jeux là. Bon, bedtime, en fait, ben, je vous ai déjà fait le résumé, en fait, de ce qui se passe. Donc ça. Ah, je peux pas y aller. Bon, ça. 9e jeu. Donc, c'est un camping, vous avez entendu. Et qu'est-ce qui va se faire dans... Qu'est-ce qui se passe dans le camping, là? Ben, le jeu, il s'appelle déjà le Cryptic. Le jeu, il s'appelle de même. Et combien de personnes jouent? Personne. Personne joue. Cryptic, c'est un jeu trop cool. Donc, il y a toutes les tueurs. Et c'est comme un camping aussi. Ah, vous savez qu'est-ce qui doit se passer? On peut pas jouer à Cryptic. Vous savez pourquoi? Donc je vais aller dans le jeu pour vous expliquer, pour qu'au moins vous sachiez que ça ressemble. Attends, peut-être on peut jouer avec un bot. Je sais plus parce que il y a personne qui joue. Ici, il y a juste une personne. Mais il faut au moins qu'il y ait 2 personnes. Parce que un tueur et un survivant, ça marche pas sinon. Je peux prendre ma tablette là, mais. On survit très rapidement. Là, tu vois, j'ai mon skin. Il faut que tu sois. Mais il va être 4 en plus. Donc, c'est ça. Alors, donc, voilà, on peut pas jouer encore. Donc, le 9e, on va faire 12 jeux. Voilà. Donc là, je sais, c'est trop abusé, là. Genre, nous, 12 jeux. Bon, je vais vous dire une affaire qui va pas arriver, en fait. La vidéo surprise, oui, elle va arriver. Mais moi, je m'attendais que ça allait être comme 10 jeux. Non, non, ça allait pas être du jeu. Ouais. Comme ça. Donc, on peut pas jouer à Cryptic. Malheureusement. Donc, vous avez vu, j'ai juste fait comme 2-3 parties dans ma vie, là. Puis c'est ça, quoi. Ça, j'ai juste fait 2-3 parties dans ma vie. Je suis vraiment nul. Donc regardez, au moins regardez les tueurs. Donc ça c'est le poisson. Donc lui il attaque de malade quoi. Le Sasquatch, il vient vraiment bien fait. Je sais pas trop, c'est la Marion on va l'appeler. Le vampire qui on dirait qu'il porte un Dominus vest, ben comme ça. Loup-garou. Un clone et une mouche très bizarre. C'est ça. Bon ben voilà. On peut pas jouer. Alors, on se retrouve dans le 10e jeu. Voilà. Donc le 10e jeu, c'est plus comme l'exploration. Ça s'appelle Aslom. Donc voilà quoi. Aslom. Ok, alors, il y a beaucoup de monde qui joue. Attends, est-ce que c'est celui-là? Ce n'est pas celui-là. Voilà. Ok, je pensais que c'était celui-là, là. Aslom.
Aslam. Ok, donc maintenant le jeu s'appelle Ghost. Pardon, pourquoi je me suis fait la française? Ghost Hunt. Bon, voilà quoi. Et c'est ça. Donc, dixième jeu, Ghost Hunt. Ce jeu, 54 personnes jouent, yes! Au moins, une des premières stories qui se passe dans un asile. Attends, est-ce que c'est vraiment une story? Parce que ça a été inventé en 2011. Je sais pas trop si ça compte pour une story, mais bon. Mais il est dans la time. Mais ça, c'est pas moi qui l'a mis dans la timeline, en fait, là. C'est juste moi qui avais le goût de la mettre, là. Mais bon, c'est. Tout le reste est dans la timeline. Voilà. Quoi. Ben, créé par un mec que je suis pas capable de prononcer son nom. Et je peux pas le montrer parce que c'est hors écran. Voilà. Alors, ok. Donc là. Ton moment, c'est évidemment. Dans le bureau des employés. Donc là, vous voyez, il y a plein de monde, d'accord. Alors, c'est ça. Ici, il y a une flèche. Donc ici, je me sais pas c'est quoi. Bon, y a rien. Okay. Oh, ok, oui, c'est pour acheter des affaires. Ben, est-ce que je m'achète un truc? Ben. Ok. Alors. Bon. Je m'achète peut-être. T'as combien ça coûte juste une flashlight rouge? Ben, moi, le bleu, c'est ma couleur préférée. Je vais m'en prendre une. Voilà quoi. Bon, c'est pas grave s'il me reste un Robux. Voilà. C'est bon, je l'ai. Il est très lumineux. C'est. On va pas faire tout le tour, on va mais attends, peut-être je vais suivre le monde pour que ça soit plus facile. Oh, il y a un gars là-bas. On va aller suivre. Qu'est-ce qui paraît? Oh, il y a une grille. Voilà. Et là, on est dans une. Oh! Là, il y a plein de monde. Ok, allez. Donc là, je viens de vous acheter une affaire devant tout le monde, là. Et qu'est-ce qui me peut-être qui va vous faire rager parce que peut-être un des jeux va coûter 5 Robux pour que je survive. À plus l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. Oh, une autre grille. Qu'est-ce que je fous là? Yo, non mais là c'est pas moi qui me contrôle. Ok, c'est bon. C'est juste à cause que je fais du gaming. Là. Allez, vas-y. Ok, ladies first. C'est moi où je suis arrivé? Donc là, en fait, c'est un cul-de-sac. Mais c'est pas moi qui me contrôle, là, les gars, je vous dis. Peut-être là-bas. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Bon, je vais y aller seul, c'est pas grave. Peut-être l'autre côté. Je suis vraiment en haut là. Bon, je vais aller la rejoindre. Je suis pas serein à être seul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte s'est fermée tout seul? Non mais il y a une porte là-bas.
Oui, il y a une autre porte. Allez, barré. Personne à la clé, on dirait. On dirait qu'on est genre toutes là, en fait. Bon, ça coûtera 5 piastres, monsieur, pour être venu visiter ça. 2 piastres, monsieur. 3 piastres. Et c'est pas juste là, nous on est toutes venus pour faire la même affaire, puis lui il y a 2 piastres, puis moi j'en ai 5. Eh ben, je pense qu'en fait on est pas mal tous bloqués ici en fait. On peut enlever la porte là, mais on est tous bloqués là. Non. Non, s'il vous plaît. Bon, on peut sortir de là, là, mais... Ça... Ouais, je suis bloqué. Je t'ai ouvert la porte pour toi, là, mais toi, tu m'ouvres pas la porte, là, toi. Là. Bon, ben, on est bloqué, hein, les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est bloqué. 11e jeu. Ok, timeline, allez. Je rajoute. Ouais. On va jouer à Summer Camp. Qui est un jeu complètement bon en fait. Alors, il y a juste 6 personnes qui jouent. Alors que au total, je vous rappelle, c'est un jeu complètement cool. Je jouais avec mon père quand j'étais en 3e. C'était trop bien quoi. C'était trop bien. Donc c'est ça. C'était trop cool en plus. Déjà, t'avais des. C'était comme. T'avais l'impression d'être dans une vidéo RP de Shane Place. C'était trop cool en fait. Genre, t'avais l'impression que t'étais. Que genre. T'étais dans la vraie vie. Mais il faut pas qu'on ait oublié de le dire. C'est dans Roblox. C'est dans Roblox. Ok, il y a 6 personnes. Est-ce qu'il paraît ça. Alors. Summer. Yeah. Non, il faut qu'on soit 20 dans le bus. Dur. On est que 2. Ça marche même pas avec ça. Bon, ok, vous savez quoi, la tablette ça marche même pas. Ça c'est rien là. Ok, alors Summer Camp, c'est comme camping en fait.
Mais malheureusement, c'est comme camping, sauf que c'est plus bien fait. J'aime mieux ce jeu-là que camping. Jouons au 12e jeu. Si on peut pas jouer, ben... on joue à 14 jeux. Ouais. Non, mais c'est trop abusé, là. Maximum 16 jeux. Ouais. Vous savez, avec Beetlejuice, dans t'es genre dans la maison de Beetlejuice, mais c'est ça. Et à ce qui paraît, il y aura une partie 2 qui va jamais sortir. Vous l'avez entendu? Vous avez entendu ça? Parce que c'est bon alors. On l'aura peut-être jamais. Bon, ok, je vais ça. Mais la partie 2, donc à l'école, on l'aura probablement jamais. Parce que, bon, déjà, on n'aura jamais Time Travel, Camping 4, ou une autre nom, je sais pas. Et on n'aura probablement jamais la suite de. Voilà, de. Ah, oh, t'as compris, là. La fin d'âge, voilà. Expérience, allez. Funhouse, allez, on veut voir Funhouse, Funhouse. Peut-être on a perdu le jeu. Expérience. Je sais pas, je pense, les gars, on a perdu Funhouse. Donc, vous savez quoi? On va jouer peut-être à 14 jeux. Attendez, je vais essayer ce jeu-là, mais je pense pas que c'est ça. Parce que c'est pas Mathieu T qui a inventé ça. C'est Quirky Studio. Oui, je sais, parce que je suis obsédé à ce jeu-là. Quand je suis petit... Là, j'étais en troisième quand c'est sorti, là, mais yo, maintenant, je suis obsédé par ça. Ok, c'est juste une copie complètement nulle. Très bien. Donc là, j'imagine, il y a l'ascenseur ici, voilà, donc ça. Ok, je suis dans l'ascenseur, on attend qu'il y ait du monde. Oh, on peut pas jouer parce qu'il y a pas de monde. D'accord, très bien. Donc, 14 jeux. Alors, bon, on va jouer. Non, en fait, on va se faire un... Je pense qu'on va se faire un dernier jeu, les gars. On va se faire un dernier jeu, parce que là, je commence à être tanné, là, de faire ça. Donc, on va faire Airplane. Airplane, c'est... Là, c'est rendu trop populaire. C'est impossible que personne connaisse... que personne connaisse ça. Et vous savez combien de personnes y jouent? 335! Donc là, on se rapproche, là. On arrive en septembre, genre, 2019. Fait que ça. Poncho King, l'inventeur de Airplane. Voilà, j'ai trop hâte. Voilà, alors, Airplane. Voilà, très bien, quoi. Bon, j'imagine... Bon, allez, on va aller là. Moi, je vais... attends, on va dans quel? Non, mais là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça que du monde y allait. Il voulait pas y aller avec du monde.
Bon, allez, on va aller dans les bureaux. Ouais, vas-y, allez. Je suis le seul gars? Je suis pas le seul gars. Bon, allez, il y a trois mecs virils. Deux mecs virils à côté de moi, puis un mec trop viril, en fait. Non, mais checkez-le. Comment, à quel point il est viril. Je suis content de jouer avec eux. Allez, go. Bon, allez. Ça c'est la blonde au mec. Il a dit quoi? Il a dit quoi le mec viril? Bon, allez. Allez. Bon, allez, c'est quoi mon ticket? Bon, alors, moi, c'est D14. Donc, donc, D14. Donc, je pense que ça, c'est ma place. Ouais, ça, c'est ma place. Alors, non, attends. Voilà, ok. Ici, c'est ma place. Il est où le mec viril? Oh, il est là. C'est lui. C'est lui, je vous l'ai dit, il était viril. Attends, je me cache. Bon. Lui, c'est le capitaine. Le capitaine, on le voit dans tout l'airplane. Voilà. Donc, dans tout l'airplane. Tout. Oh, je me suis fait super mal au doigt. Alors, Airplane, trop bien comme jeu. Donc, demain, je pense, j'ai une idée de qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ça va être juste un jeu, mais qui dure très longtemps. Du coup. Ok, je voulais juste faire un proc comme. Je vais faire un proc de. Non, mais les deux qu'on a vus, c'est des toughs. C'est des. Oh non, mais elle est trop tough, là. Elle montre son muscle à tout le monde. Elle est trop tough, sérieux. Elle, quand je vais être plus grand, je vais me marier avec elle dans Roblox, hein. Non, mais je te dis ça, j'ai besoin d'une bodybuilder, hein. Dans ma famille, j'ai ça, là. Moi j'ai besoin d'elle dans ma vie, hein. Parce que sinon, si je me fais voler, manque, elle va. Voilà. Elle va être tout le temps là pour me protéger. Donc j'ai besoin d'elle, quoi. Deal. Bon, j'ai dit ça parce que moi j'ai besoin de ça. Bon, alors, allez, un sandwich. Bon, allez, moi j'ai faim. Je vais pas manger depuis genre 45 ans. Ah, ok, ça explique ça là. Et je vais demander à elle aussi si c'est une bodybuilder. Ok, c'est Free là qui va être empoisonné. Spoil. Ok. C'est drôle comment il change son nom. Ok. Mais yo, elle a fait trop d'attitude, je vais pas sortir avec elle, jamais de la vie je sors avec elle. Non mais sérieux, si je dois me trouver une femme, c'est une musclée. Ouais. Alors, bonne nuit, passager. Bonne nuit, bon ok. Le capitaine, on va même pas dormir de la nuit parce que on va vivre un cauchemar.
Ok, bon, en vrai, c'est un vrai. Je pense que c'est un vrai bodybuilder. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? I got bad feeling. Ça va, j'en ai lu quelques j'ai tout lu eux que j'ai là, mais bon. Ça va en vrai ben en vrai c'est un bon manga, mais ça va là. C'est longtemps que j'ai pas fait des vidéos manga là, mais bon. C'était effrayant, on devrait discuter de ce qui se passe. Es-tu en train de l'embrasser? En gros, le monstre, il a envoyé des rats pour qu'ils nous mangent, mais on a eu genre juste un mort. Ok, prenez un masque. Aucun cœur en fait. Dégage, tu n'as pas du cœur toi. Je suis Maracaille de Paris là, Maracaille de Versailles. Oh mon Dieu. Mais on est une grosse team, on est une
team, on est une vraie team. Bon. Oh, y a un code. Oh oui, ça c'est pour la chambre. Je l'ai trouvé en tilt. Ils sont inconscients. Surtout la meuf là. Bon, on va appeler Line là, pour le prochain aéroport. Non, on est supposé, je sais pas trop où d'aller là. Ah oui, c'est vrai, là dans le prochain, c'est vrai, on est pas. J'ai rien dit.
C'est vrai, on est tous forts parce qu'on déjà on a survécu genre à une affaire que je pense que c'est possible juste dans des cascades genre de Mission Impossible quoi, de James Bond. Non, moi je suis pas moi. Victoire, bonne fin en plus. Parce que si on serait écrasé, ben. We won! Le bodybuilder, la bodybuilders et l'astronaute et moi, plus la intello, plus les eux qui connaissent rien. Voilà. Donc les gars, donc lui c'est lui qui a fait ça, c'est le directeur de Cruise, Airplane, donc le jeu qu'on vient de jouer, et Castle. Donc ce directeur là il est chaud et bon c'est faux, je vais pas dormir hein, désolé s'il voit ça, mais c'est juste que moi je dois arrêter la vidéo. Bon, des keufs qui appellent des keufs. Non, c'est, j'ai jamais vu ça. C'est comme si des chevaux appelaient des chevaux. Voilà. C'était ça, les gars. J'espère que cette vidéo, est-ce que cette vidéo vous a plu? Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, oublie pas ce qu'elle est la surprise. Et, c'est ça quoi. Regardez la vidéo quoi. J'ai trop hâte à demain, parce que demain on va juste faire une histoire qui est trop bien en fait. Mais si sur le survie pas, on va en faire deux là, qui vaut pas là. Mais bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et c'est ça. Alors,
je vous dis à la prochaine et